elle choisit les sciences, elle choisit des carrières masculines parce qu'elle a compris ce qui est codé au masculin, comme les études scientifiques, correspond aussi à ce qui est le plus valorisé dans la société. Donc elle va de ce côté-là. Elle a conscience également que dans les sciences se joue aussi un des noyaux du sexisme, l'idée que les femmes sont inférieures intellectuellement aux hommes. Donc elle va s'intéresser à la capacité crânienne des femmes, elle va s'intéresser à la psychologie et puis elle va s'intéresser au corps, hein, parce que tout ce qui se joue autour du corps des femmes est fondamental dans la domination. Elle est la première féministe à défendre le droit à l'avortement dans une publication de 1911. Et elle est persuadée qu'un des noyaux durs de l'oppression des femmes se situe dans l'intimité, dans la sexualité, dans l'appropriation des femmes, du corps des femmes par les hommes. Et là, c'est vraiment d'une modernité incroyable. Et ça n'est pas que du discours, c'est aussi des observations qu'elle fait parce qu'elle est médecin et qu'elle pratique des avortements en prenant le risque de se faire arrêter. Elle était perpétuellement insatisfaite par les féministes de son époque qui n'allaient pas assez loin à son goût. Madeleine Pelletier l'a écrit, hein, qu'elle avait conscience d'être très en avance sur son temps. Et elle a anticipé sur effectivement beaucoup de choses qui aujourd'hui nous paraîtraient banales. On ne naît pas femme, on le devient. La formule de Beauvoir, elle ne le formule pas de la même manière, mais la notion de genre est dans l'œuvre de Madeleine Pelletier, pas le mot, mais l'idée.